Octobre 1421. Le greffier de l'échevinage d'Arras note sur ses registres. Au XVe siècle, les premiers groupes de tziganes sont signalés en Europe occidentale. Leur mode de vie, leur langue, leurs coutumes diffère du sédentaire. Il suscite la curiosité, mais aussi la peur. Forgerons, musiciens, batteleurs, devins, ils fascinent et abusent les gens. Ils se donnent souvent des titres princiers, comme duc ou comte des Égyptiens. De nombreuses familles seigneuriales de France et d'Écosse les accueillent et les protègent. En 1682, Louis XIV affirme « Il a été impossible de chasser entièrement du royaume ces voleurs par la protection qu'ils ont de tout temps trouvée et qu'ils trouvent journellement auprès de gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur donnent retraite dans leurs châteaux et maisons. » L'histoire des tziganes est surtout l'histoire d'une répression. Au XVIe siècle, des ordonnances d'expulsion sont prononcées contre eux. Au XVIIIe siècle, les Pays-Bas organisent des battues à tziganes. 50 ans plus tard, il n'en reste plus un seul. En 1725 en Prusse, tout homme ou femme tzigane est pendu. Quand on ne les tue pas, on les condamne au fouet et aux galères. En France, sous le consulat, on interne les tziganes et l'on songe à les déporter en Louisiane. Au XXe siècle, en janvier 38, les autorités allemandes déclarent « Pour des raisons de santé publique, et en particulier parce que les tziganes ont une hérédité notoirement chargée, que ce sont des criminels invétérés qui constituent des parasites au sein de notre peuple, et qu'ils ne sauraient qu'y produire des dommages immenses, mettant en grand péril la pureté du sang, en septembre 39, Heydrich décide leur extermination. À Auschwitz, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, les 1600 tziganes survivants sont massacrés. 500 000 tziganes ont péri sous le régime nazi. Ils ont survécu. Témoins indifférents de toutes les révolutions, de l'ère industrielle et de l'âge atomique. Leur histoire n'est pas la nôtre. Il faut oublier pour les comprendre nos repères chronologiques et jusqu'à notre notion du passé. Le tzigane vit son histoire au moment où il la raconte. Le peuple tzigane se répartit en trois groupes. Les Roms, les Manouches, les Gitans ou Calais. Gitan vient du mot égyptano, référence à une origine égyptienne plus ou moins légendaire.
eux-mêmes s'appellent Calais, qui vient du mot sanskrit Zindkalais, signifiant « homme noir de la plaine ». Les gitans vivent dans les pays méditerranéens et surtout en Espagne. Leur arrivée semble antérieure à l'arrivée des autres tziganes en Europe occidentale. On ne connaît rien de leur migration. Leurs traditions et coutumes ont fortement imprégné la culture andalouse. Le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer rassemble chaque année près de 20 000 tziganes. Il date du XVIe siècle, mais les tziganes n'y viennent que depuis le siècle dernier. Aujourd'hui, les Saintes Maries sont devenues surtout un lieu de réjouissance et pour ces hommes que l'on chasse de partout, un moyen légal de se retrouver en grand nombre. Comme si tu crois aux Saintes Marie de la Mer. Tu crois, non? Si, homme. Mais les Saintes Marie de la Mer, c'était fait de pierre. Et si, mais pas pour res. C'est une gitane comme nous autres. Et là, il faut respecter. Parce que nous avons une gitane qui est une sainte. Je ne comprends pas ce que tu dirais. La piété des tziganes est éclectique. Qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, ils interprètent les cultes et les rites à leur façon. Pour les catholiques, Sainte Sarah l'Égyptienne est la médiatrice du peuple tzigane. Ouais, mais est-ce que moi t'as fait miracle pour toi? Moi, mai li sono demanato res. Io ti faccio qualche miracolo perché jamais te demandé rien. No, tenia mal remis. Li sono demanato al nostro Signore, che il nostro Signore mi passi. Ouais, ah bon? I home, ara veus, guanta. O te ve mal o ren?
I t'ha guéri? I s'han demanat al nostre senyor que me faci pas més mal, ben. Le miracle que t'ha fet? Sí. A qui sí que t'ha demandé? A nostre senyor. A Dieu t'ha demandé? Oui. Donc c'est pas le saint qui t'ha fet le miracle? Oui. C'est Dieu qui t'ha fet le miracle? Oui. Ah bon, c'est pas pareil, ça. Alors, qu'est-ce que tu crois plus, Dieu ou saint? Comme je dis à tots dos. Nostre senyor i la santa, també. Perquè mai s'han demanat res més. Si m'ho demanessin, m'ho faria també les santes. Yo te quedo a dos. Ay, que me retiro yo no para atrás. Ay, nunca le la marecita de mi alma. Ay, que bueno. Ay, que me retiro yo para atrás. Ils ont longtemps circulé en Allemagne et l'on retrouve dans leur langue des traces germaniques. Violonistes, leurs improvisations ont fortement marqué les folklores slaves et magyars. Manouche vient d'un mot sanskrit qui veut dire l'homme vrai. Maintenant les carrières. Allez, Hagenbeck Punkai. Eh ben ça c'est pas possible. Alors il vous chassait avec les coups de fusil. Ah oui oui. Par les grenzen der Fahrgastwurst, par les Haltras, 5 km von Ugab. 6 km du pays. Il y avait plus de maison, rien du tout. Oui. Ah ben vous étiez malheureux là-bas. Là. Ah mon Dieu. C'était malheureux, oui. De la misère pendant la guerre. On a laissé notre voiture, on a laissé les autos, on a laissé tout et puis on a parti à pied. Puis on a souffert, on restait des 3-4 jours sans manger. À cette époque, mais il y en avait beaucoup qui étaient dans les camps, beaucoup aussi, les Manouches. Quand on était ici en France, après, on était un peu avec les Maquis. Ils jouaient pour les Maquis, tout ça. Les Manouches, tu sais bien comment que c'est. Hein. Ils aiment la musique, ils aiment leur vie, ils aiment la liberté, voilà. Et puis on a été à notre Garonne pour pouvoir vivre. Alors là-bas, on était un peu mieux, mais il y avait beaucoup de bagarres avec les Maquis, avec les Allemands, voilà. Ça passait mal. La nuit, on allait faire la guerre sur les chemins de fer, tout ça.
après, on a pris notre vie comme avant. Après qu'ils ont parti les Allemands de la France. On a acheté des chevaux, on a parti quoi, au voyage. On a pris la vie comme les manouches avant. Comme les manouches. Tu veux que je te fasse la ligne de la main, ma jolie dame? La ligne de la main. Arrête! Tu veux savoir la ligne de la main, cocotte? Mais on est des voyageuses. Des voyageuses, oh, dommage. Les Roms se considèrent comme l'aristocratie des Tziganes. Si on les rencontre aujourd'hui dans le monde entier, ils ont été les derniers à atteindre l'Europe occidentale et pour cette raison sont restés très traditionnalistes. Chaque sous-groupe est réputé pour un métier particulier. Leurs femmes ont une spécialité ancestrale, lire les lignes de la main. T'as payé beaucoup plus que ce matin, alors ne refuse pas. Oh, que t'es radine, ma jolie. Qu'est-ce que vous pensez, vous allez dépenser votre fortune? Alors, c'est justement, c'est pas la fortune qui vous manque, ma belle, c'est la santé, c'est la joie. Tiens, prends-moi une médaille de Sainte-Marie. Là, je vais décider tranquille. Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose que tu seras encore beaucoup plus tranquille, madame. Tu vas te bien gauche un peu. Non, n'aie pas peur, madame. Oh, vous savez, vous serez très contente, vous allez voir. Tentez votre main, vous allez avoir du bonheur, ma fille. Allez, donnez-moi votre main, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Ne vous inquiétez pas, c'est la main gauche, c'est la main du cœur toujours qui travaille. Vous allez vivre très longtemps, mademoiselle, jusqu'à l'âge de 85 ans. Dans l'avenir, vous serez maman seulement que de deux petits enfants, une petite fille, un petit garçon. Vous aimez la paix, mademoiselle, vous aimez la tranquillité, mais vous ne demandez pas la solitude. Vous allez faire un grand voyage. Vous êtes amoureuse quelquefois. Mais quelquefois, vous avez des goûts spéciaux, vous avez des goûts ordinaires. Vous en appréciez des personnes, mais quelquefois, vous réfléchissez que ce n'est pas de votre goût et ce n'est pas de votre plaisir. Dites-moi la vérité. Oui. Répondez-moi. Oui. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Vous, dans la famille, vous êtes gâtée. Vous êtes une fille très travailleuse, mais vous êtes gâtée, mais vous faites beaucoup à votre tête. Vous faites beaucoup à vos idées, c'est vrai? Hein? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, pour vous, faites attention. Maintenant, vous êtes préoccupée pour une personne. Mais vous n'êtes pas très sûr de lui. Vous êtes entre les deux, mon cœur balance. Vous comprenez? Oui. Alors vous pensez que vous n'avez pas de chance, mademoiselle, mais vous avez de la chance, mais vous ne savez pas la prendre parce que vous êtes très nerveuse. Et vous êtes une fille très capricieuse. Caprice que vous avez voulu, caprice, vous l'avez toujours pensé dans votre cœur. Vous êtes venue au Sainte-Marie de la Mer, c'est pour voir la fête des Gitans. Parce que vous avez quelque chose encore dans les Gitans que vous tenez. C'est la vérité ou non? Répondez-moi. Et votre cœur, il est très honnête, mademoiselle. Vous avez la tête très haute dans l'avenir, mais il y a beaucoup de personnes qui vous parlent mal. Devant votre visage, c'est bien, mademoiselle, mais derrière vous, c'est très mauvais. Vous avez déjà donné confiance à une personne, mais avec confiance que vous avez donnée, avec confiance, vous avez perdu. Mais maintenant, moi, je vais vous dire un petit secret, et je vais vous dire les initiales de la personne qui pense à vous. Actuellement? Oui. Dites-moi. Oui, mais sérieusement, je vous parle. Moi, c'est pas penser que je vous parle comme ça pour vous faire... Alors, écoutez-moi bien. Il y a la lettre J, il y a la lettre B qui pense à vous. C'est le prénom ou le nom de famille? C'est le nom de famille. J et B? Oui. Alors vous allez avoir un grand cadeau, mademoiselle, dans quelques temps. Mais vous allez faire un grand mariage. Mais un mariage d'amour, vous n'allez pas faire un mariage d'argent. Et vous serez très fidèle. Mais moi, je vais te donner la petite médaille de Sainte-Marie de la Mer. Ça va te porter bonheur. Ça va te porter chance dans les amours. Tu n'auras jamais des ennuis dans l'avenir. Alors voyez, mademoiselle, pour la ligne de la main... Moi, je fais la ligne de la main des personnes très riches à des personnes très pauvres. Tout le monde y donne pour moi 15 francs, 20 francs, 10 francs de bon cœur. Qu'est-ce que vous avez comme volonté pour donner? D'où viennent les Tziganes?
d'Égypte, comme ils le prétendent eux-mêmes, ou de Chaldée? Des recherches linguistiques ont déterminé au moins pour leur langue une origine indienne. Il est difficile de préciser de quelle région de l'Inde et de quel groupe ethnique ils proviennent. Mais tous, qu'ils soient Roms, Manouches ou Calais, se reconnaissent comme hommes supérieurs face au nom de Cigane, qu'ils appellent Gadjo. Gadjo, paysan sédentaire. Simza, ses enfants et son gendre, pasteur pentecôtiste, appartiennent au groupe des Roms caldéraches, c'est-à-dire les Roms chaudronniers. Il y a des savants, il paraît qu'ils ont fait des recherches et ils disent que nous venons des Indes. Mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'on vient des Indes. Il y a beaucoup de coutumes qu'on a, que, comme les Israélites, ils ont, comme... En Israël, parce que je lis beaucoup la Bible et j'ai vu que dans la Bible, il y a à peu près des coutumes que nous avons également, comme dans l'Ancien Testament. Alors je penserais plutôt qu'on vient d'Israël et peut-être qu'on a passé par les Indes, la Russie, et comme ça que les Roms, ils sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on n'a pas cette culture, nous, de ne pas savoir d'où on vient? De ne pas savoir d'où on vient? Oui. C'est parce qu'on n'a pas de pays. Parce qu'on est partout dans le monde et... Mais oui, je sais ça, qu'on n'a pas de pays. Mais comment vois-tu que... Mais nous, les Roms, on est partout. On est dans le monde entier. On est là et nulle part et partout, oui, d'accord, je suis d'accord avec vous autres. Mais seulement comment qu'on ne peut pas savoir notre source d'outils? Soit nous, on ne peut pas le savoir. Nous-mêmes, on ne sait pas et je ne crois pas qu'on trouvera exactement d'où nous venons. Je ne savais ni lire ni écrire. Et alors, comme je voyais que les gens ils prenaient la Bible et ils lisaient, et j'étais émerveillé des belles paroles qui étaient écrites, j'ai acheté des livres, j'ai appris comme les gosses, A, B, C. Mais alors, c'était difficile pour pouvoir joindre ensemble les lettres. J'ai demandé l'aide à Dieu, et finalement, comme ça, par moi-même, j'ai appris à lire. Et... C'est très beau. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que le Seigneur t'a aidé à faire? Mais seulement, nos jeunes, ils vont souvent à l'école maintenant, qui sont obligés d'aller à l'école dégagée, que ça s'appelle l'école française. J'aurais aimé d'avoir une école romaïque, mais en leur apprendre à lire et à écrire en français et nos cultures. Parce que normalement, nos mots, nos cultures, avec les jeunes d'aujourd'hui, que je le vois, ils changent énormément. Donc on ne pourra plus garder notre tradition. Et je ne voudrais pas que ça se perde. Et souvent, je dis même à tes enfants, à mes enfants, de ne pas y aller à l'école. Parce qu'on ne pourra plus garder la parole, d'aller de parole en parole. Parce que moi, tu vois bien, je suis un peu âgée, je ne sais ni lire ni écrire. Mais ça ne m'a pas empêché de que je vis et que je ressens les mêmes choses que les gens qui savent lire et écrire. Vous avez les papiers d'identité, les papiers du véhicule? Monsieur, merci. Vous êtes combien de familles là? Barimbis. Deux familles. Merci. Deux familles, monsieur. Allez, Barimbis. Vous avez été contrôlé déjà? Oui, monsieur. Oui, quand? Oh, je sais pas, je me rappelle plus, il y a quelques temps. Maximo. Tout le papier. Tout le temps montrer les papiers. On n'a pas toi, même pas une heure avant de manger. Oh, ça va aller rapidement, hein, très vite. Il est tout le temps comme ça, rapidement. Et on a pas deux heures. Mais non. Mais si. Mais jusqu'où vous allez nous chasser comme ça? Vous avez les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Les papiers du véhicule. Donne les papiers.
Vous n'avez que 7 Opel et puis 403. Oui, record Opel, 39. NA77, où je l'ai. Oui, vous l'avez. Bon. Alors, je peux rester 2-3 heures. Oui, vous attendez, je vais vous donner le résultat du contrôle. Les rapports avec la maréchaussée ont toujours été difficiles. Les noms que les tziganes déclarent à l'administration sont empruntés au vocabulaire en usage chez les gadjés. Mais ce nom d'emprunt sert à dissimuler leur vrai nom. Il s'agit, selon un auteur tzigane, d'une forme d'orgueil de caste qui se refuse à livrer à tout le monde un bien aussi intime que son nom. Vous venez chercher vos papiers ? Approchez. Tenez, le contrôle est terminé. Vous allez pouvoir continuer votre route. Voilà vos cartes d'identité et les papiers du véhicule. Le maire vous avait donné un délai pour quitter le coin, non ? Non, je crois qu'il nous a donné une limite. Oui, vous partez maintenant ? Oui, oui. Bon. Pour l'état civil, la police, pour être en règle question des papiers, nous acceptons les lois du pays où nous sommes. Mais au milieu de tout ça, il y a nos lois. Nous sommes un peuple à part et nous avons notre loi. Il n'y a pas un roi, comme on a dit, mais sans avoir de roi, on vit entre nous et on s'entend très bien. C'est la vie. Simza et sa famille sont en route pour Florence, où elle doit rencontrer le maire, M. Mességué, qui soigne avec les plantes. Elle pense également pouvoir conclure un mariage dans la région pour l'un de ses fils. Yo voy a, yo en la llamada.
très jeune. Et j'avais à peu près 15 ans. C'était jeune. Qu'on a vu la pala tout. On est venu me chercher parce que j'étais d'abord... moi aussi, les Cesses qui sont venus me chercher habitaient à Paris, mais ils sont venus me chercher du côté de la chasse. C'était la famille Kelderach. Ma maman aussi, c'était une Kelderach. Barivitsas. Barivitsas. Une grande tribu qui m'a demandé un mariage. Mais avant que cette tribu me demande un mariage, plusieurs tribus m'ont demandé un mariage. Très jeune, j'étais demandé un mariage. J'avais même pas 12 ans. Moroda, t'as vu l'opala tout éveil? Non, son frère est venu d'abord me chercher, pas ton père. T'es dit après, oui, après ton père est venu pour me voir et puis ils ont demandé, ils ont envoyé sa maman, son frère, l'aîné. Tu n'y sardais? Elle m'a demandé un mariage, oh oui. Quand le mariage, c'est une chose chez nous très difficile. Comment je pourrais dire? C'est très secret le mariage chez nous. En vérité, je vais te le dire. Chez nous, quand une fille se marie, elle n'a pas le droit de divorcer. C'est fini. L'homme, il peut la quitter. Ça peut arriver. Mais elle, non. C'est secret. Mais en vérité, l'homme, il la quitte pas. Non plus. Alors, je viens te dire une parole là, qu'on dit, nous, en tzigane. Mais qu'est-ce à l'aise, qu'on a mis que c'est roi et qu'on a remoui. C'est juré. En français, ça veut dire tu quitteras ton mari quand tu quitteras la cuillère de ta bouche. C'est un petit mystère tzigane. Mais j'aimerais que le Seigneur il me donne une romnie comme Bori, comme belle-fille. Parce qu'on a quand même notre addiction. Qu'on a gardé la robe longue. Oui. Non, vous n'avez pas le droit de vous habiller autrement. Mais en étant jeune fille, vous pouvez encore vous habiller autrement. Mais une fois mariée, vous n'avez plus le droit de vous habiller. Vous devez être en long. Et jamais la tête découverte, parce que c'est l'alliance des coutumes de chez nous. Nous, on n'a pas l'alliance au doigt. On a l'alliance qui est couverte la tête. Donc, on n'a plus le droit de faire qu'est-ce qu'on veut. Parce que c'est déjà impur, une femme qui est mariée. Il n'a plus le droit de se décoiffer devant les hommes. Il n'a pas le droit de passer devant un homme. Il doit lui dire, tourne-toi que je puisse passer. Bonjour, monsieur. Dame. Présentons la maison Maximoff. Nous passons pour les réparations de tonnage, des réparations de d'ustensiles de cuisine, voyez. Alors, nous vous demandons si vous avez un échantillon pour vous démontrer le travail que c'est, voyez, parce que nous sommes des étameurs, des chaudronniers, voyez. Faisons un échantillon comme démonstration de travail, madame. Possible. Comprenez. Non, mais c'est la franche vérité. Je vais vous faire voir la carte. Tenez, nous faisons même l'outillage, vous voyez, parce que... Tenez, voilà. Je vais vous voir. Vous oui. Me merci beaucoup, madame. Il veut aussi un martel. Okay. Voilà. Oui, madame. Je vais porter quelques petits outils. Oui, qui j'aurais besoin d'être oui. Fait. Oui, celui-là, je vois. Oui, je vois. Je peux voir, s'il vous plaît. Vous avez des chevrons peut-être, des chaudrons, des casseroles en cuivre, non? Oui, vous voyez, il est un peu escanté. Oui, je vois, et puis il faudrait même le décaper. On le met à neuf même. Oui, ça nous le faisons à neuf et tout. Maintenant, je peux vous faire un prix si vous avez un autre, et puis en discuter, on peut en faire un prix, vous voyez? Ça, sur le cuivre, vous n'allez pas m'avoir. Oh, écoutez, je travaille le cuivre. Oui, je peux vous présenter. Oui, justement, oui. Je peux vous en présenter. Vous non, non, non. Vous avez pris de Paris, mais pas de mon destruit. Non, 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 mais je peux vous en présenter, là. Même de l'étain, si vous voulez. Vous savez, les fontaines pour en étain. L'étain aussi, je connais les prix. Ah oui? Et combien vous croyez que ça peut valoir? Et vous irez me faire l'inventaire des casseroles de cuivre que j'ai à la cuisine, vous verrez. Oui. Non, mais celui-là, il vaut 5000 francs tout neuf. Non, il vaut pas. 5000 francs tout neuf, là. Toi, c'est toi qui n'y as rien. Pour 5000 francs, moi, je vous l'achète.
Non, 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 il n'est pas vendre. Vous savez comment je vais le nettoyer, moi? Je vais le mettre dans du purin. Et il va se nettoyer. Oui, oui. Oui, monsieur. Mais comme que j'aurais fait moi, ben vous aurez été étonné vraiment, parce que vraiment, ah, pour faire... Ah, mais oui, mais moi, je ne suis pas prête à mettre 27 000 francs. Comment je prends une soixantaine comme ça, 5 000 francs? Parce que vous mais savez... Mais il y avait que celui-là, il voulait même le donner au chiffonnier, alors c'est pour ça que nous l'avons acheté. Bah oui, mais justement, parce que vous avez tombé sur une occasion, il faut dire. Ah, mais, parce que vraiment... le... ah, mais je ne dis pas le contraire. Parce que vraiment, c'est pour dire que vous connaissez les prix, oui. C'est autre chose. Vous n'avez pas besoin de discuter, il n'y a rien à faire. Les Tziganes, et les Roms en particulier, ont toujours été réputés pour leur adresse à travailler le métal, technique qu'ils doivent sans doute à leur origine indienne. Le fer indien était déjà réputé dans le monde romain. En Turquie, en Hongrie, en Pologne, ils furent souvent employés par les souverains pour forger des ustensiles de facture délicate ou tout simplement pour fabriquer des armes. Et vous réparez des marmites des... Oui, les casseroles, les marmites, ceux qui sont, leurs fonds qui sont encastrés, les bossuets, vous voyez. Et ceux qui sont bombés. Oui, justement, nous les réparons. Oui, nous les martelons, nous les remettons à neuf. Vous faire voir un échantillon, là, je vais vous faire une démonstration de travail, comme ça. Écoutez, moi, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai pris l'affaire, donc... Oui. Hein, je ne connais pas trop... Oui, alors là, vous me donnez... Je vais vous faire voir les ustensiles et puis vous allez me dire s'ils sont à faire ou pas, c'est ça? Oui, bien sûr, hein? Madame. Vous voyez, c'est aussi de ma... Oh. Bon, attention à votre tête, oui, hein. Oui. Je sais pas. Oh, oui, si, ça serait à faire, ça. Parce que vous comprenez, même quand vous faites la cuisine là-dedans, et puis ça reste pas bien droit sur le feu et tout, et puis vous voyez comme c'est... À l'intérieur, ça peux sera vous à faire. Ça, je peux vous donner ça réparé? Oui, comme échantillon, et puis comme ça... Et ça me coûterait combien, ça? Oui, mais ça, c'est un échantillon, vous comprenez, je vous ferai gratuit, comme ça vous verrez le travail, et puis après on en discutera du prix. Bon, d'accord. Écoute, bébé, je vais te raconter une histoire. Qui est vraie. Quand mes parents, ils sont venus, mes grands-parents qui sont venus de la Russie. Mais ils sont partis vraiment, vraiment, tu veux savoir la vérité? Avant la Révolution. Ils ont senti, parce que c'est des Tziganes, ils le sentent, parce qu'ils sont toujours touchés un peu par les guerres et par les camps. Oui, ça. Alors, quand ils sentent quelque chose dans un pays, ils vont dans un autre pays, parce que c'est des nomades. Et on était avec les voitures, les chevaux, des belles tentes qu'on campait. En France, on était très bien. On nous laissait camper n'importe où. On nous accueillait avec une... chose magnifique. Comment je pourrais t'expliquer? Maintenant, alors, si je comprends.
Oh, on était accueillis vraiment mieux que maintenant. Oui, parce que maintenant, c'est vu la société que c'est plus moderne, et puis il y a moins de place, il y a moins de stationnement. Mais si, il y a de la place pour nous aussi, puisque nous ne sommes pas qu'un petit monde, nous ne sommes pas que deux, trois, nous sommes une nation. Alors, je ne pourrais pas dire que nous datons depuis que le monde est monde, mais nous sommes faits pour le voyage. Nous aimons le voyage. Notre pays, c'est où qu'on est. Ah oui, c'est qu'on pose les pieds. C'est le pays adoptif. Mais à ce moment-là, les jeunes, tu sais, comment je pourrais dire, ils écoutaient bien les vieux. Et nos souffrances, nous l'avons passée tout le temps. Mais moi, dans mon enfance, j'ai souffert, mais c'est la plus grande joie et le plus grand bonheur que je peux me rappeler. Ah bon? Souvent, j'ai demandé à grand-mère. J'ai dit, d'où qu'on descend? Est-ce qu'on a une descendance? Et pourquoi que nous, on n'a pas des églises? Ils m'ont dit, quand on était à la... les Juifs, qui nous devaient 3 jours. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi qu'ils nous doivent 3 jours, les Juifs? Il dit, quand le Seigneur a fait le monde... Mais ça, ça doit être un symbole, alors. Je n'en sais rien, je te le dis comme ma grand-mère, elle me le racontait, oui, mais... et mes souvenirs. Et ben, il m'a dit, nous, les Tziganes, on a donné un coup de main pour construire leur église. Et quand c'était pour faire la nôtre, église, est venu le jour de Sabbat, et les Juifs, ils sont arrêtés, ils n'ont pas pu travailler ce jour-là. Donc c'est pour ça que grand-mère m'a dit que nous, on n'avait pas d'église. Ah bon? Et qu'on se servait de l'église du pays où qu'on se trouvait. Oui. Quand un enfant naissait, on allait, on baptisait nos enfants. Au bout de 8 jours, il fallait qu'il soit baptisé. Pas plus. Parce que chez nous, c'est impur. La femme n'a pas le droit de sortir pendant 6 semaines. Elle doit rester bien camouflée. Personne ne doit la voir. Un enfant dans le berceau quand il est au coucher du soleil, immédiatement, on doit mettre un petit morceau de fer pour le protéger de tout danger. Et de tous les mauvais esprits. Certains gens n'y croient pas à tout ça, mais nous les Tziganes, on croit à beaucoup des choses, tu sais. Vous n'allez pas m'acheter des pieds napperons, ma belle dame? Hein? Vous allez devenir un jour la patronne. Hein, ma jolie? Venez voir un peu, je vais vous montrer quelque chose de beau. Ça vous coûte rien de voir. Oh, vous ne voyez pas assez bien. Venez approcher un petit peu, toucher. Hein? J'ai pas l'argent. Eh ben un jour je viendrai que je vous ferai un petit cadeau. De toute façon, il passe 50 fois alors. Ah, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'il fait ces gitans? Oh, non, ils sont mauvais, hein, les gitans. Non, ils sont pas mauvais, non. Non, ils sont pas mauvais. Non. Ils sont gentils. Ah. Hein? Oui. Il n'y a pas de raison qu'ils soient méchants, hein? Vous aussi, madame. Vous êtes gentil. Non, vraiment non, hein. Non. Hein? Notre merci, fois. Notre fois. Et alors pourquoi les autres vous les faites pas payer tout de suite et pourquoi à moi vous demandez tout de suite? Pourquoi? Pour qui vous me prenez? Ils ont payé tout de suite. Mais attendez, mademoiselle, je vais vous payer, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez peur comme ça? Que je vais pas vous payer? Et appelez le patron, qu'est-ce que j'ai mis à foutre? Mais oui, je veux. Pourquoi? Vous avez de la chance que vous me serviez. Vous êtes un café pour ça, pour servir, oui ou non? Hein? Ah, qui c'est maintenant? C'est le prince? Vous êtes fait pour servir? Ah, c'est qui, vous avez choisi le... Ah, qui vous qui voulez veux, oui. Mais pourquoi? On n'est pas comme vous autres, quoi. On est coupé autrement que vous. Hein? Alors?
Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous voulez m'acheter quelque chose? J'ai des jolies petites choses à vous montrer. Oui. Pourquoi, madame? Attendez une petite minute, je vais vous montrer quelque chose de très bon. Regarde, c'est des beaux petits services, fait main. Puis, pas joli, quoi. La patronne, elle n'est pas ici, alors. Ah, il n'y a pas de patron? Non. Alors, partout que j'y vais, il n'y a pas de patron. C'est drôle. C'est qu'il y a des employés. Hein? Moi, je suis plus bonne. Vous êtes une bonne, ma pauvre fille. Achetez-moi quelque chose. Ah, oh, mais je n'ai pas de sous, non. Ah, vous voulez pas que je vous dise un petit peu la ligne de la main? Que je vous dise votre chance, votre bonheur. Donnez-moi un petit peu votre main gauche. Bonjour, madame. Vous voulez pas m'acheter des jolis petits nappes, madame? Regardez un petit peu, c'est joli. Joli, je vous remercie. Et vous voulez pas que je vous dise un petit peu votre chance, votre bonheur? La chance, je n'en ai pas. Hein? Pourquoi vous n'en avez pas, madame? Vous croyez, mais moi, je vois quelque chose dans votre yeux que vous en avez. Après la pluie, vous aurez le beau temps, madame. Montrez-moi un petit peu votre main gauche, je vais vous dire deux mots très intéressants. N'ayez pas peur, je ne vais pas venger votre main gauche, madame. Vous avez une longue vie. Comment? Vous allez vivre jusqu'à l'âge de 82 ans et demi. Mais seulement, je vois votre ligne de vie coupée un petit peu. Ou vous avez eu un petit accident ou une grave maladie. Mais c'est fait, il n'y a plus de danger. Votre vie y reprend, vous voyez-vous, madame. Vous avez beaucoup souffert dans votre existence. Et si de la bouche vous rigolez, mais qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Personne ne le comprend. Il n'y a que le bon Dieu le comprend, votre peine et votre douleur. Vous comprenez? Quand vous dormez, vous faites ça dans votre lit, vous vous tournez. Vous vous demandez qu'est-ce que vous allez devenir, madame. N'ayez pas peur. Vous avez souffert beaucoup. Vous avez énormément souffert. Vous avez versé beaucoup de larmes sans rien dire à personne. Vous ne souffrirez plus ni dans votre cœur, madame, ni dans votre âme. N'ayez pas peur. Vous avez perdu quelqu'un de cher dans la famille. La personne que vous avez perdue, vous avez beaucoup regretté. Et quand vous pensez, vous regrettez encore. Vous lui devez une petite prière, parce qu'au-delà, il vous protège. Vous me comprenez bien? Une en deux, en trois ans, que le sel, le pain, il a manqué jamais de votre maison. Les peines et les soucis, ils étaient un petit peu dans la maison tout le temps. Mais maintenant, ça sera fini, madame. Vous aurez une vie rose, vous aurez une vie contente. Vous me comprenez bien, madame? Votre bonne pensée, votre mauvaise pensée, il ne faut jamais dire à personne. Parce que je vois, voyez-vous, dans votre mère, dans votre mariage, vous avez eu beaucoup de bonheur, beaucoup de chance. Comprenez? Mais il y a eu quelqu'un, le jour de votre mariage, il y a eu quelqu'un qui n'était pas beaucoup content, qui a regardé sur vous avec des mauvais yeux. Et vous avez eu l'impression que ça vous a suivi tout le temps, ça. N'ayez pas peur, madame. Le soleil brillera pour vous aussi. Vous avez été très touchée par les peines, par les soucis, par les angoisses. Mais maintenant, vous ne serez plus touchée, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous désirez voir le mieux dans votre cœur? Que vous ne pouvez pas arriver, que vous voudrez arriver. Parlez-moi, cœur ouvert, madame. N'ayez pas peur. Oui, parlez à cœur ouvert. Je n'ai pas envie de parler. C'est vrai, ma jolie. Pourquoi, ma belle? Eh bien, ça ne fait rien. Vous ne parlez pas. Mais dans votre cœur, je vois qu'est-ce que vous pensez. Mais vous allez guérir bientôt de votre douleur, de vos peines et de vos soucis. Vous êtes fatiguée. Oui. Vous êtes malade. Je suis fatiguée et j'ai reçu un choc. Et... un accident. Et alors? Ce choc, il est resté de... ouais, comme ça. C'est grave quand on reçoit des chocs. Si c'est pour vous que vous êtes un peu malade, je pourrais vous dire quelque chose pour pouvoir vous soulager, pour vous guérir. Parce que nous, les tziganes, on connaît beaucoup des choses, on connaît beaucoup des plantes, on connaît beaucoup des remèdes. Mais malheureusement, le choc que vous avez reçu, c'est dans le cœur. Mmh. Et c'est grave, ça ne s'oublie pas, ça. Qu'est-ce que vous avez reçu? Je le sais, je l'ai vu dans votre main. C'est grave. Mais n'ayez pas peur, le bon Dieu vous donnera le courage pour pouvoir s'y porter. Une petite prière pour vous. Ne pleurez pas. Pas pleurer, ma jolie. Ça va y aller pour vous. Bon. Merci.
Et j'ai regardé la télévision. Et j'ai une mes filles qui est à Paris, j'ai dit, voilà un homme qui va me guérir. J'ai dit, je vais vous guérir de l'asthme, oui. Améliorer beaucoup de l'asthme. Et j'ai dit, si je saurais ces plantes qui sont vivables, j'ai dit, moi, je pourrais boire ça, je pourrais guérir de mon ulcère. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Oui, c'est l'oseille sauvage, oui. Mais si je saurais que c'est buvable, ça guérit l'ulcère. Si je saurais que c'est buvable. Mais c'est buvable. C'est buvable. Ça guérit l'ulcère, ça guérit les plaies, ça guérit tout. Beaucoup de choses. Le muguet guérit le cœur. Le muguet guérit le cœur. Le cœur, oui, c'est vrai. Les fleurs de muguet, oui. Les fleurs, mais il ne faut pas qu'ils soient trempés dans l'eau. Oui. Quand on cueille. Oui. Il faut le faire chasser. Oui. Il n'en faut qu'à tarder une branche. Pendant 9 jours, on doit faire bouillir 9 petites tiges. Voyez-vous ? Voilà. Ça, c'est ça. On fabrique nous-mêmes. L'étain. Voilà les deux. Ça vous font. Ça, c'est nous qui les faisons. Bon. J'ai mes nappes. Non, mais je vais en prendre, mais c'est pas mon métier. Mais, alors, sais, mais vous pouvez en vendre à Florence, c'est un que vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il m'a proposé de venir, que mes enfants, ils pourraient travailler, vous voyez, parce qu'ils étaient dans une mesure, qu'ils sont jeunes, qu'ils sont... Comment je pourrais dire? Vous savez, il n'y a pas de miracle. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Le secret de la réussite dans la vie, je vais vous l'indiquer. Vous m'indiquez quelques plantes, je vais vous soigner, moi, pour votre asthme, tout ça. Oui, d'accord. C'est ça qui me... Mais moi, je vais vous indiquer le secret de la réussite, c'est le travail. Il n'y en a pas d'autres dans la vie. Il alors, y en a qu'un. Vous pouvez lire mais dans pour les lui lignes. Qu'on a la santé. La santé, ça, c'est le premier bien. Et quand on a la santé, on a tout. Oui, mais si vous voulez réussir, si on veut réussir dans la vie, il n'y a pas de miracle, il faut travailler. Parce que la chance, ça ne sert qu'un temps. Et la chance, il faut toujours l'aider. On a toujours travaillé. Depuis alors moi... Sais, moi, les Tziganes, ils ont toujours travaillé. C'est sûr. Mais je les aime beaucoup, puisque je fais partie de votre journal. Je vous aime merci. Beaucoup. Je donne la permission que vous installiez ici, parce que moi, je pense merci. Que vous êtes un peuple comme les autres, oui. Et qu'il ne faut pas vous chasser toujours. Au bord de la rivière, il y avait beaucoup du monde, tu vois, des passants. Il y a une petite grand-mère qui s'est fait toute petite, très vieille. Il a demandé à plusieurs gens de la faire passer la rivière. Personne n'a voulu la faire passer la rivière. Il ne s'occupait pas de cette pauvre vieille. Parce qu'il lui disait, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas, cette vieille? Qu'est-ce qu'on l'a fait passer la rivière? Parce qu'en effet, la rivière, elle n'était pas grande. C'était un tout petit eau. Tu m'attends que vraiment une petite grand-mère y aurait pu le traverser. Mais je vais te l'expliquer. Le frère de mon grand-père, il a été la voir, il l'a pris sur ses dos, et il l'a traversé la rivière. Mais cette petite grand-mère, c'était pas une petite grand-mère quand il est passé l'autre côté, quand il est arrivé de la rivière. C'était une femme qui pouvait marcher. Et qui était même très belle. Il a dit, quand il est passé au-dessus de la rivière, il lui a dit, que vous soyez épargné de la choléra. Vous, les Tziganes. Vous, les Tziganes. C'est vrai. Vous n'avez aucun piqûre. Je vais te la dire en romanais, si tu veux. Vous n'avez pas aucun piqûre contre la choléra. Jamais un Tzigane a été frappé de la choléra. Comme vous êtes épargné aussi du tonnerre. Jamais personne des Tziganes a été touché par le tonnerre, par la foudre. Aucun. Vous êtes épargné de ces deux choses-là.
Hai una roccia che il mamma. Un po' mugle, che di Lolo. Tutto au calme. Apprends. Ne laisse pas perdre ça. Quand tu vois une vieille femme, tu dois lui donner la main. Et que le Seigneur, il te donne assez de force pour pouvoir que tu donnes la main. Quand le Seigneur a créé le monde, a demandé à chacun de nous de nous donner quelque chose. Les gagés, ils sont faits pour bourrer la terre, pour bâtir, pour faire tout. Oui. Et nous, les Roms, quand on devait y aller, nous donner quelque chose aussi, le Seigneur, il voulait nous donner quelque chose pour choisir. Certains ont choisi la terre, certains ont choisi les fruits. Et nous, au moment qu'on allait, nous, les Roms, notre tribu des Roms, après les gagés, on était toujours parce qu'on avait une fille qui boitait. Et on ne pouvait pas arriver assez vite à temps. Tu vois? Et la fille, et la vie, je ne saurais pas te dire le nom, mais je vais te le dire en romanesque quand même, le nom de ce fruit. Le porambi. Gheli a ici del porambi. Porambi. C'est des petites prunes sauvages, tu sais, rouges. On fait des bonnes confitures des fois avec ça. Et alors, c'est là qu'il s'est arrêté. À Maricumpagna, les Roms, notre tribu, les Roms, il s'est arrêté pour attendre la fille. Quand on est arrivé, nous autres, que le Seigneur il voulait nous donner quelque chose, il n'y avait plus rien pour nous. Donc on est resté pour cueillir. Et ils sont restés pour semer. Pour semer.